Comment allez-vous bien, les viewers? Bien. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle déjà. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va tester un jeu. Quel jeu? Un jeu que je ne connais pas, en preview, qui n'est pas encore sorti, et qui s'appelle My Friendly Neighborhood. Oui, il faut savoir qu'il y a un show de marionnettes qui fait un carton en ce moment. Quoi, vous regardez pas les internets? Il y a des épisodes, ils sont retranscrits, je suis sûr. Vous les trouverez bien sur un Boares, je sais pas. Et donc, il y a un show de marionnettes qui fait un tabac. Et je suis le technicien envoyé pour vérifier l'entretien des antennes d'émission. Que tout se passe bien dans cet endroit-là. Qu'est My Friendly Neighborhood. Qu'est-ce qui va m'attendre? Alors, on me promet de l'action, ça j'en doute pas. On me promet de la réflexion aussi. Là, j'ai beaucoup de doutes, mais bon, on va y arriver, c'est pas grave. Oh, ces doigts des années 2000. Alors, tirer, piouf. Je sais pas ce que ça tire des cartes. C'est un Rolodex. Ça a été quand même vachement bricolé. Piouf. Ouais, ça marche bien quand même. Je remonte, j'ai changé d'avis. Ah, je veux pas y aller. Courir. Non, courir. Non. Oh dear, oh my. Tout ce que je vois, je le flingue. Tu prends. Des choses à ramasser, ça sous-entend que... On va crafter quelque chose. Un flingue, certainement. Je ne sais absolument pas où on met les pieds, les amis, je tiens à le spécifier. Apparemment, plus qu'un studio de tournage, c'est un asile. Oh, la visée, ça va pas être terrible avec ça. Hein. Oh putain. Je l'avais dit. Hein. Mais comment je vise avec cet engin? Hop là, à moi ça. Je veux. Bon, tant pis. Je sais pas ce que tu racontes, ça m'intéresse pas. Out of order, c'est le menu de ce soir. J'ai quand même ouvert. Je suis pas allé voir où ça causait parce que j'avais pas trop envie de savoir. Alors, c'est peut-être un labyrinthe le jeu. Allez savoir. C'est sûrement un labyrinthe le jeu. On le sait déjà. Je le connais ce morceau. Ouais. Alors, on va pas se faire tous les tiroirs les mecs, je vous le dis tout de suite. Hein. Pourtant si, il va falloir parce que c'est là que sont planqués les bonus. Et ce serait con de passer à côté. Hop hop, la patate à moi. Et ça, ça se prend. À moi. Let's get writing. Ok, donc ça j'imagine que ça doit taper un peu plus fort quand même. On a vu que le ruban adhésif, c'était pas pour les hamsters, mais pour les ennemis que j'arrivais à mettre KO, et que ça me permettrait de les neutraliser. Les voleurs de machines à écrire. Moi je pense que c'est un certain patron. Non, on va rien dire. Allez, Alors les transitions, je trouve, elles sont pas terribles. On est quand même en 2020, les mecs. Il faudrait faire un petit effort. Ce serait gentil. Et ça éviterait aux gens qui testent derrière d'être désagréables comme je vais probablement l'être. Ah, it's fermed. Non, c'est pas le code, c'est fermed. Courir. Ça, c'est une touche qui me plairait beaucoup à connaître. Donc on refait demi-tour. Qui a mémorisé tout l'endroit? Vous? Non. Moi? Non plus. Coucou. J'ai oublié qu'il fallait recharger avant quoi.
Hop là, débarrassé. Alors je sais pas si mon scotch a une durée de vie, on va dire, entre guillemets. Ah, il faudra une pince. Ils sont très bruyants ces trucs. J'imagine que mon scotch est éternel. Hello, it's me. Boudi boudi du bip boudi du hu. Vous avez vu que je referme quand même après. Je suis quelqu'un de vachement bien. Faut pas rester ici, toi. Alors, je suis pas allé voir si dans la pause il y avait un menu accessible. On va le faire tout de suite. Yatta. Ça, c'est mon inventaire. Et vous demandez sûrement ce que je vais faire avec tout ce bordel. Moi aussi, je me demande. Il n'y a pas trop de descriptif. Des cartes. Touche. Ok, et l'autre menu c'est kiff kiff. Ok. Non, mais j'essaye, j'aime bien me renseigner. Check, it's locked. Apparemment, la clé est un objet rare ici et très répandu à l'usage. Je peux rentrer? Toc toc, it's me. It's me. Alors, qu'est-ce que j'aurais pas inspecté? C'est ma grande question du jour parce que je suis très déçu. Je suis venu jusque-là, il n'y a même pas une clé pour ouvrir quoi que ce soit. Est-ce qu'on me prendrait un peu pour un jambon? Ouh, putain. Tu sors, toi? Ah! Ton scare jump a fonctionné. Truc. Je peux pas le ligoter au cas où il se réveille. Ouais, j'aimerais bien quand même. Educating the world, MFN. Je vais prendre ce balai. Pourquoi faire? Parce que c'est mon destin! Et ce E, je vais me le mettre en pendentif autour du cou. Oui, comme les rappeurs. Ouais. Pour l'instant, ce jeu ne sent pas le kiki tout dur. Hein. C'est. Il n'y avait même pas de sous-titres pour que ce soit vraiment drôle. On y va. Je vais sortir. Ils sont trop débiles, ces trucs. J'ai toujours pas de touche pour courir. Est-ce qu'on est passé par là? Oui, c'est d'où j'arrive. Est-ce qu'on a ouvert ici? Ouais, mais c'était locké. Locké, tu veux dire, verrouillé. Non, locké, je veux dire. Ça aussi. Non, ça allait pas, mais je sais plus où ça va. Oh, mémoriser ce qu'on. On pourrait pas avoir une minimap, sérieux les gars, c'est beaucoup plus vite. Celle-là, elle est verrouillode. Yes, it's verrouillode from the autre côté. Oh, if wet, don't walk. The door you shall not open. Yes. Oui, je vais la faire Yoda. Moi, j'ai envie d'être tout vert dans ce stream. Je prendrais bien les fléchettes, parce que quelqu'un qui m'emmerde, qui se prend une bonne giclée de fléchettes dans la tronche. Je vous garantis qu'il a plus trop envie d'en venir. Cool guy, comme moi. Nikola Tesla. Pff, pas tant que ça. Hein. Faut arrêter d'inventer des héros. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Où pourraient être ces clés? Dans le boîtier de commande électrique, sous cette bouée, derrière cette bombose. Ça explose, ça. Tiens, je peux plus tirer, c'est étrange. Ok. Déçu, je suis. Bouche. Donc monsieur qui a bloqué dès le premier niveau, c'est nul. Toi. J'avais dit que t'allais te relever, personne n'a voulu m'écouter, j'aurais pu t'enrober tout à l'heure, mais personne m'a laissé faire. Vie de quoi? Vie de. Mais que ce jeu est merdique en fait, hein, je vais le dire tout de go parce que. On commence, it's locked, machin, t'as pas un pet de plomb, t'as trois pièces qui se mangent le cul, ça va, mais voilà. Quand monsieur K commence à utiliser un langage fleuri, c'est que dans ton jeu, il s'emmerde. Mais alors profondément, quoi. Là, c'est hors de question de passer, pourtant on serait bien allé faire un tour. Parce que curiosité, tout ça.
Attends, il y avait un truc écrit. Un spectre, on a déjà fait. Donc, qu'aurais-je oublié? Parce que je veux bien être débile, mais il y a des limites. Et là, je crois que j'ai dépassé ce stade-là. Et j'ai même pas d'armes violentes pour faire exploser ces marionnettes. Une tondeuse. Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ça me semble très mal engagé pour ce friendly neighbor, je sais plus quoi déjà. Je vais repartir. Je sais plus que ça à faire. Hello, it's me again. Ouais, on n'a pas tout exploré, c'est génial. Mais alors maintenant, j'ai une grosse envie, regardez. Non, pas ici. Regardez! C'est d'où on vient, je veux pas. Je veux partir. Je veux vraiment partir. Ce jeu est d'une tristesse. Oh, elle est là. Ouais. Oh putain. J'ai plus d'adhésif. Viens la truc. Tu vas être mon souffle-douleur, toi. Elle va se réveiller du coup, l'autre tanche. Non. Chocozip. J'ai tout ce que je veux pas, là. Bon, c'est pas grave, elle reprendra des trucs dans la tronche. L'enthousiasme. Attendez que je retrouve comment on fait l'enthousiasme quand on fait semblant. Ah. Oh. Regardez des énigmes énigmatiques à base de formes géométriques. Presse. Tu. 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 Comment ça, je vais me faire flaguer? Alors, arrêtez, soyez pas médisants. Il a dit quoi? Il fallait le courant avant que je tripote. Ok, on va utiliser le courant. Et pour utiliser le courant, huho, tombe pas. Il va falloir judicieusement paramétrer ces machines. On voit qu'il y a ici un symbole en forme de poule. Ici un autre symbole en forme de patouche. Et ici un symbole vraiment en forme de vraiment patouche. Mais en face, on voit qu'il y a une petite indication là sur le l'horloge. Donc, ce sera lui. À voter. Hop là. Ah, va te faire tondre. Bon, ça vient tout de là-bas derrière. Ah, mais il y a le mode d'emploi. D'accord, il y a des cartes perforées pour ouvrir les portes aussi. Et là, je vais l'avoir dans le... Quoi? Ouais. Mais pourquoi cette porte, elle veut pas? Elle de... Pff, non. Elle pourrait pourtant. Regarde, c'est tout réglé comme il faut. Il y a juste la dernière, on a une grosse indication. Regardez, elle bouge même en 3D, c'est magnifique. Ce jeu de l'an 1990, mon Dieu. Oui, il y a des tas de choses qui ne vont pas dès le démarrage. Et tu lâches pas quelqu'un comme ça quand t'as un environnement aussi catastrophique. Soyons clairs. Est-ce d'où je deviens? Je sais plus. Non. Attention, tu vas monter dans le manoir. Look, comme ta mère. Ah, j'ai vraiment du mal. Autant dans Bendy and the Ink Machine, on était absorbé par le truc. Autant ici, on a juste une envie. Et on la retient tout le long. C'est le bouton Escape, quoi. Qu'est-ce que tu veux me faire crafter alors que je m'emmerde déjà dans ton univers, bonhomme? J'ai pas l'intention de m'éterniser. Je suis désolé. Et en dessous, il y avait. Attends, et l'extension? Machin, stage. D'accord, c'est le stage.
comme les... Alors, il y a des lettres aussi. Pourquoi faire? Tu ne sais pas. Restons zen. Oh, regardez. J'ai un plan des égouts. Oui, car tout bon jeu a des égouts, comme tout le monde le sait. Ça évite de trop faire travailler les gens au décor. Ouais, c'est un petit peu comme ton jeu, bonhomme, non? Je fais l'euphorie, je vais penser à l'euphorie. Ah, public safe station 5. Je sais pas lequel c'est qui fonctionnait, les gars. D'accord, c'est une sauvegarde. Et ça, c'est... Restore. Ok, mais ça rétablit pas le courant pour autant. Ah, j'ai l'ordre des boutons, regardez. Ça, x2, ça, moins 1, ça, plus 6. Plus 2, moins 1, plus 6, vous retenez? Alors, quel rapport avec les trucs en bas? Je sais pas. Mais on a vu qu'il y avait des dalles. Carré, triangle, rond. 2, moins 1, 6. On y va. Vite, avant que j'oublie. 2, moins 1, 6. Ah, ça y est, je commence à oublier, je le sens. 2, moins 1, 6. Ah, mais il me faut une carte perforée, les gars. Voilà, petit à petit, on va y arriver. Diable, que ce jeu est passionnant. Oui, alors, il y a des énigmes dans ce jeu. Il n'y a pas que du flingage. Donc, on vous lâche là, il y aura des scar jump. Je résume tout ce que vous allez pas voir, hein, parce que je pense que je vais pas tarder à quitter. Ce spoiler. Mais voilà. Donc, il y aura énigmes. Frisson un petit peu, et puis un peu d'action, vu qu'il faudra shooter et neutraliser ces têtes de abrutis. On va aller voir là-bas, parce que je ne l'ai pas fait, mais franchement... Là, je serais mieux devant une petite camomille, je pense. Pour que j'en arrive à dire de la camomille plutôt qu'un White Russian, c'est qu'il y a un problème. Oh! Quoi? Qui me tape? Au début, je croyais que c'était les vibrations du sol, mais... Ouais. Ah non, c'est les vibrations du sol, vraiment. On va faire un plan court, un plan rapproché, un plan. Non, parce qu'il a l'air sympa, j'ai pas trop envie de lui faire plaisir en me rapprochant comme une victime. Soyons cohérents. Donc il est énervé. Un mec énervé comme ça, qu'est-ce que tu fais quand tu le vois? Il a envie de découper quelque chose. C'était un ancien boucher, il a dû être forcé de partir à la retraite. Donc logiquement, si je veux passer, il faudrait que je lui amène quelque chose à découper. Genre une marionnette, un truc comme ça. Mais plutôt une marionnette ou un truc vivant. Mais pas moi. Il y a des croix sur le sol. Faut éviter de se mettre sous les croix. Il y a des projecteurs qui tombent généralement. Ça va, gros? Ouais, je sais, j'arrive. Bouge pas. Fais-moi ton meilleur sourire. De toute façon, c'est close. Donc je peux pas monter de voir. Alors, c'est ton activité, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est moi ou ce jeu ne fait ni peur, ni tension ou frisson? Ouais, non, ça doit être moi. Ne pas toucher ça. Jamais. Ah, oh, oh. Il a eu peur de moi. Bah, c'était le monstre du tuyau, c'est connu. Il y en a plein dans les films. Alors, j'ai crafté encore. C'est... Les gens, comment vous voulez donner envie aux joueurs avec votre truc là? Expliquez-moi un poil. Parce que je. Putain. Il y a un truc derrière. Qu'est-ce que vous faites là? Je te tirerai bien dessus quand même. Hop, je prends, vu qu'il faut crafter. Et puis on va essayer de craftouiller un truc, par accident quoi. Tu veux plus prendre là? T'es full? C'est ça? Yes. Inspect. Boy, do I have just a thing for you. J'ai pas trop le choix, hein, les gars. Donc j'aurai plus de bastos, ça va être. Malheureux, je pense. Oh, shoot! What? Il y a un coeffrandome? J'ai pas compris le truc là.
Alors tu mets ça, après t'emboutis dans ça, et ça te fait la carte. Pour ta machine. T'as pigé, gros con? Tu me parles meilleur déjà, Yun. Et c'est pas dit que je trouve tout ce que tu me demandes là. Donc il fallait un bout de gruyère. C'est quoi, ouais, du gruyère? Un casque de VR et la machine. Ok. Alors, faut que je continue de feindre l'euphorie, hein, parce que là, c'est, on en est loin. L'euphorie ou les pâtes à la glu, c'est au choix comme plat de midi, mais... Ouais, je vous ai vu, les mecs, derrière. T'es tout seul. Oh, les cons. Mais d'où ils sortaient tous? Save, ok. Moi perso, je vais arrêter là. Je viens de perdre 24 minutes de ma vie pour essayer de vous montrer un jeu que j'imaginais bien. Et j'ai beaucoup de doutes. Donc, dans le doute, je vous invite à vous connecter, à aller voir sur le web s'il n'y a pas une démo qui traîne, par exemple à Chouchouland. Et puis, vous faire vous-même votre idée, vous serez certainement meilleur que moi, j'en doute pas. Mais vous affronterez également un gros ennui et ces énigmes qui n'ont rien de très motivant personnellement. Et que j'imagine pas plus motivante chez vous. Allez, on va regarder ce beau poster et on va faire dodo ici. Bonne nuit. Tombe. Tombe. Tombe plus bas. Encore. Encore. Encore.